Salut Alain! Salut Robert! Ah! Ben ça va! Et toi où là? Ah oh, ben écoute, ben, j'ai encore du boulot alors j'y retourne. Hein. Ah, moi aussi, tiens! Alors, vous pouvez dire ces personnages-là tout le spectacle? Ouais! Puis au niveau des costumes, ça va, c'est cool? Bon, pour le violon, ça va être justement, ça va être marrant quoi! T'as la belle trapéziste qui fait un super numéro, puis avec la casquette. Avec la moustache à la gueule, tu sais. Un léger filet de bave. Un petit mégot. Ah, j'ai rajouté un élément très important. C'est quand je m'en vais. Salut Robert. Oh ben c'est l'heure, hein. C'est déjà un pro sur le temps. Voilà. Ah, je sens qu'on va faire une créa. Du feu de Dieu. Bon alors, Vanoni, c'est de 28 à 42. Le temps pète. Hey, ah ouais, je fais une suggestion. Je veux pas casser l'ambiance. Je rebelle. Ça vient là. Tu vas bosser. Là, j'ai filmé petit verre. Salut! Ça va? Salut mon père! Tu vas où? Ouais, je vais bosser moi! Ah bah moi aussi! Allez hop! Oh. Tout le long du spectacle, on fait que ça. Ah, salut Robert! Comment tu salut vas? Salut! Mais qu'est-ce que tu fais? Chaque fois, on change. On garde! Tu mettras un gars, Pierre, pour faire ça? Ouais. Hein? Ah ouais. Oh, je vois que tu arrives bien. Je vais mettre Nico. Je vois que tu arrives. Nico, c'est un gars qui a bille de fou. Non, t'as l'air hyper à l'aise là. Ah bah moi oui. Bah, je regarde. Pense que tu peux le faire. Ah, ça, c'est pas juste. Comme ce truc là, c'est moi qui l'ai demandé à cet endroit là parce qu'il fallait que ce soit atteignable avec les mains sous la contrainte. On peut mettre un staff au bout d'un de ces pantalons. Non, mais bon, si on met dedans, c'est bien. Ouais, c'est bien, on verra. Je sais pas comment compter, je compte en deux. Thank you.
par exemple. Mais c'était pour faire des étincelles. Ah oui, d'accord. Elle tourne lentement, celle-là. Ouais, ouais, non, mais tu vois, un truc est là, et puis t'as le seau transparent. Ouais. Qui est cling, et toi, puis on voit que ça se remplit de bout de verre. Puis là, t'as vraiment, même à la limite, de temps en temps, prendre une bouteille, bling, tu la pètes, zing, cling, t'en peux être qu'une, mais toi, ouais. Et puis, tac, cling, et puis devant toi, il y a un seau, mais vraiment, on voit bien que ça tombe dedans, quoi. Ouais. C'est super. Et là, on va faire, toi, puis après le machin, il va c'est une usine en fait, ouais. À fabriquer ce dont on a besoin. Ouais, c'est pas mal, ça. Tu vois, on va faire l'usine. Tu as tout à fait la gueule de notre scène de clip. Avec le bonnet de clip. Si on fait pas de la production, c'est vrai, je tiens. Son violon, il est endimanché, Il chope le violon, il commence à jouer du violon, il arrive près des verres, ding ding dong dong, ding ding dong, il commence à, c'est le loisir après le travail, c'est de venir faire le spectacle. C'est vrai, le ballon, c'est... Ah, le ballon, c'est un truc, hein. C'est pas mal. Hein. Le ballon du début, ça va être le piano plutôt que le bois. Il y en a que deux qui le font. C'est balèze, hein. C'est très balèze, ça. Ça, c'est bien con, hein. Penché devant. Mais ouais, tu te mets là. Viens autour de nous. Ben, vraiment, calme-toi. La même là. Chose, tu sors l'harmonica. Tu continues. On va trop loin. Vers l'avant. Ouais, parce que là, c'est très compliqué. Ou alors, faut tailler le couvercle. Parce que là, je peux pas accéder aux douches. Tu vois ? Là, il bouge pas. Quoi ? Puis là, il bouge pas en plus. Hein. Oh putain ! Ça, c'était une autre idée. Parce que là, attends, parce que là... Laissez-le commencer. Ouais, ouais, parce que c'est quand même compliqué de chanter avec un truc ici. Bah non, j'aurai le HF, ça va être... Attends, le HF. Oh, maman. Vas-y, chérie, va. T'as signé, vas-y. You and me, and you and me, yeah. Oh, 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 you and me, and you, yeah. Oh putain, ça marche, ça. On sait que ça marche. Mais ce qui peut être bien, c'est que tu réagisses aussi avec la voix. Ce qui se passe. You help me.
Il y a un paramètre, c'est le sang dans la tête. Et attends, on n'a pas fait la spot la dernière fois. On va le détourner là-bas. Ça se bosse, hein. Je me retourne. C'est la fin, c'est la fin du show, ça. Ok, c'est la super fin, ça. Ouais, je suis prêt. Voilà. Je vais. Là, je dois arriver comme ça, là. Là, là, comme ça. Mais après ça, est-ce qu'il descend le piano ou il a... Il ah ben là, il faut qu'il se passe quelque chose, là, parce que... Parce que là, il pourrait finir cette chanson-là, un peu le prendre, et si on a... Il peut faire vraiment bouffe avec les pieds. Puis on le met dans un tour. C'est vrai. Non, mais faut que ça s'arrête. Non, mais ce qui serait bien, c'est qu'on balance le focus ailleurs, là. C'est ça. Mais non, wow. Mais ça dépend où est-ce qu'on va après. Tu finis. Ouais, mais non, mais la fin, elle est géniale. Tu finis là, tac, t'es comme ça. Et Lolo, tu vois, je pense que toi, si t'as un métronome vers toi, t'as le rythme, tu commences à taper du pied. Comme ça, moi, j'entends le rythme, je commence à me calquer dessus, puis eux, ils m'entendront en dessous, donc ils se calqueront sur le mien, puis la machine, elle va se lancer comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je t'entends. Garde la même consigne que tout à l'heure, c'est-à-dire le gros bordel, mais rythmé. Ce qu'il faut que vous fassiez pour que ça marche, c'est que vous fassiez tous quelque chose de différent, mais un gros bordel, même sans penser à la rythmique, penser à rien, mais vous gardez un schéma, chacun de vous prend un truc, ça peut être n'importe quoi, hein. Vous gardez n'importe quoi, mais vous le gardez pour vous. J'ai l'impression qu'il va s'envoler, quoi. Du coup, il faisait une queue, mais c'était parfait, quoi. Ouais, comme, à demi. Ouais. Faut qu'il fasse n'importe quoi, là. Ça doit vibrer, ça doit... Ouais, faut juste attendre à tomber. Nous, on sait pas comment on est... Ça marche très bien. Attends, je vais faire des mots. Tu peux pas ouais. Mais tu parlais de la rencontre. Moi, je pense que la musique, elle a déjà commencé, le piano a déjà commencé avant qu'eux, ils arrivent. D'accord. Parce que si... c'est possible. Parce qu'elle est, elle est abrupte. Tu veux pas aussi l'essayer à l'accordéon, son d'accordéon, pour voir ce que ça donne? Ouais, c'est possible ça. Ben, on verra demain. Parce que je pense qu'avec l'usine et l'accordéon, il va encore se passer peut-être un truc. Ouais, mais avec le piano, t'as une espèce de réverb. C'est beau, hein, ouais. C'était bien. Hein, non, ça tranche complètement avec le truc, et ça le ça fédère. Non, c'était juste pour l'entendre. Ouais, vraiment, on l'entendra, ouais, on peut l'entendre. Musique de l'usine, c'est parti. Thank you.
bagnole. Non, trop juste. Ouais, bien. Non, trop, t'es trop bon. Non, 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 c'est fais une attaque, mais pas franche. Max, 1, 2, 3, 4. Celui-là, ouais. Celui-là il est en retard, il sonne pas. Faut vraiment pep, 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 ok. On y va? On voit où on est? Oui. Le dernier accord, l'accord qui tient, qui sera l'accord final du morceau d'ailleurs. 1, 2, 3, 4. Dernier accord de la partie 1. Ok Pierre ? Ah, le dernier, ouais. Dernier. Ouais, ouais. Ah, pardon. Ok. En force. Chef et j'entends pas ce que je dois entendre au-dessus. Pierre, t'es un peu largué par moment. À la fin, t'es largué. Donc, qu'est-ce que tu veux montrer avec toi à la deuxième partie? Sur le l'arc pointeur. Ouais. Tout le monde est prêt? Vous êtes lavé les mains? Ouais. Allez, on est parti. Qui reste à voir, c'est je sais pas, je l'ai pas écrit encore, mais j'ai les idées, j'ai la structure au piano, mais je sais pas ce que ça va donner au niveau des vers, ça va être compliqué pour vous ou pas. J'essaierai de faire simple, mais il reste une partie, il reste 2 minutes de musique en vers, donc mais c'est bien, ça avance, donc voilà. Mais comme ça c'est bien. Comme ça,
Ok. Oui, tu vois moins. Ok. On va faire moins de nous. Ok, donc c'est vous êtes pas capable de m'emballer ici sans changer ça ou le chef. J'en comprends rien. Ah oui. Mais si tu veux que ce soit complètement tendu, il faut retendre à l'échelle. Ah ok, c'est de nous. Ouais, là, okay. Voilà. Ok. Mais c'est ce que je pense qu'il faudra faire, parce qu'au début, il faudra faire le début, le coup de match de Vring avec ça, comme on avait fait la dernière fois, tu sais. Ouais. Ok. Maxou, normalement, là, tu vas le chercher plus loin, on redescend à la hauteur qu'on avait fait la dernière fois. Ouais. Puis après, il part, et puis le truc, il tombe. Enfin, bah, lui, non, toi, tu vas au bout. Sur moi, du coup, le piano monte, toi, tu te retrouves au bout. Et moi, je pars tout au bout. Ah. Là, ça dépend. Ok, là, et tu vois, peut-être plutôt que de sauter, je vais venir me coucher, comme ça on a le temps. Ouais. Donc là, what? Salut Jean-Marie, quoi. J'ai mal partout. Là. J'ai mal partout. C'est trois ans pour cette scène, ça va être dur. Ça va être dur. On se revoit dans trois ans. Tu savais pas à quoi tu t'engages. Ah non, je savais pas. Quoi. Elle est où la Pozzi? C'est une bonne position d'entrée. C'est un bon angle. Chez deux fêlés là, hein. Ils sont casse-cou, hein. Je sais pas ce qu'on va en faire. On va les casser à tous les coups. Il y a du sperre, non hein. Du sperre en clown. Ouais. Mais je vous présente, je vous présente Timon. Timon. Et Pumba. Bon. Ah, je suis content. Mais... ah, t'es trop bas. Je suis là, j'ai grosse tête, tu bouffes des verres. C'est cool. Cool, moi ça. Moi, je suis le cerveau, je tire les oreilles quand j'arrive. Ah putain. Donc on fait une pause, rendez-vous dans 30 secondes. Oui, on la laisse se balancer un coup, hein. Ouais. Si elle se décroche pas, ah, juste ça m'a mes yeux, ça va faire chier quand même. Ouais. Ouais. Ouais, pas mal. Ah bah t'as retapé au même endroit. Ouais, mais regarde, non, mais c'est top. Hein. Ah, y en a bien. Tu te sens en sécurité, hein. Bah ouais. Pour ton numéro de... Moi je trouve l'équipe technique vachement rassurante. Ouais. Et à chaque jour, un nouveau drame, quoi. Ah, c'est on ça règle qui est tout à coup de masse. Et ah ouais, c'est très très bien. Ouais, si on avait emballé la bouteille de Sandrine comme ça. Pour faire demain le grand test de trapéziste. Tu fais la chaise volante. La chaise non, mais déconnez pas, c'est vrai. La chaise est prête, tout est prêt. Je veux voir que ça. Ouais, d'accord. Et tu tournes comme ça, avec le piano. Et vous avez prévu un truc pour accrocher après le piano pour que ça bouge pas? Non. Si, mais on peut faire un truc. On peut mettre une petite ficelle après. Ouais, on peut. Mais si le piano se casse la gueule, j'aimerais bien pas le suivre le piano, moi. Pour les villes. Pas mal, il lampe avec des casseroles. Matos de récup. C'est quoi ça? J'ai niqué le truc du gosse. Ouais. J'en fiche, bon, quel est le défaut de ce truc? Bah, le défaut, c'est ça. C'est pas le défaut, c'est le regarde. Oh putain. Oh merde. Voilà. Quoi, sur le piano? Hein. Chiotte. C'est vrai que tant qu'il est dessus. Ouais, allez! Arrête, ah, maison, envole-toi!
Je suis en train d'éplucher les machines à éplucher les poules, c'est comme ça. Ouais, c'est des trucs qui raclent en fait. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Il en faut une de temps en temps qui tombe, quoi. Dans toutes les minutes, c'est même pas toutes les minutes. On n'aurait pas intérêt à faire un petit tapis roulant, tu vois. Ouais, ce que je pensais. Mais sur 20 mètres. Par contre, sur 20 mètres, on met des plumes, pour 3 quarts d'heure. Non, mais attends, non, non. Non, mais tu peux faire un truc, un tapis. Dans ta crayon, ouais. Mais par contre, sur combien tu dis? Sur 3 quarts d'heure? Ben, c'est tout après les spectateurs. Il avance d'un pas. Et puis il y a un tapis qui est comme ça, là, qui revient derrière. Avec des aimants? Non, ça avec des aimants. Puis tu mets la plume. Quand tu tires, tu fais dérouler le tapis, puis il y en a plus plume. Elle tombe même par une. Alors on fait un truc avec les compartiments. 30, 45. C'est rien ça. Non, mais la machine, elle va être. Non, pas forcément. Tu fais des petits compartiments. Donc le vernin il pousse là, et quand il pousse là, à mesure que ça pousse, ça lève ici. Pour l'aider, il y a le petit vernin qui est là. Bon, rien d'extraordinaire. Non, mais bon, quand même, on y a passé des heures. Et le truc, il rentre pile poil dans le cadre. Ok. On se remet l'écrou. Non, ça va pas se sauver. Mais... Non, tu vois. Ok. Là c'est le petit. Attends, hein, je vais pas filmer là. Ferme. Ça c'est ce que j'adore. Le petit. Ouais, s'il vous plaît. On se concentre un petit peu. On y va. Tu cherches des images pour faire quoi genre hein? Tu cherches des images. Ouais, ouais, allez-y. C'est making of. Oh,
mais je pense que dans tout ce moment-là, comme on est justement dans une couleur très blues, très comme ça, il faut que ça soit un peu retenu, quoi. Parce que si ça part trop, on parle pas grave. Plus crade. Mais ouais, plus crade, je suis d'accord. Là, c'est la guitare qui. Ouais. La voix qui est bien. C'est pour ça, s'il place des petits trucs de ton pote, c'est super, mais à ce moment-là, tu penses qu'il faut qu'il soit un peu plus. On veut vraiment le vrai contraste qui marche. On est d'accord. Avec Molly, c'est le côté crade. Voilà. Après, quand il y a la ville, c'est pas pareil. Là, ça part. Je porte la rose. Il faut quand même un peu de crade dans la musique. Ouais. Équilibre les choses. On va coacher, mais puis moi, je te promets, je vais. Mais ouais. T'as une séquence? Enfin, ça y est, tu sais à peu près, non? Bah après, on va l'enregistrer avec Greg. Non, mais tu vois, si je fais genre les phrases qui se portent un tout petit peu comme ça, et juste comme j'ai fait juste là, les dernières 20 secondes, je reviens à quelque chose de très fixe. Très fixe. Puis après, on lance. Là, tu lances. La voix. Ouais, c'est bien. Ouais, puis là, tu pousses. Puis on fait ça pour 30 secondes. Un peu de cardiaque et ensuite. Voilà. Il part? Non, je crois pas. Il a dit d'accord. Il a dit d'accord, puis il s'en va. Ah non, mais ça va. Statique, tu as déjà fait comprendre à tout le monde que tu avais fini et la roue elle vient tranquillement se poser sur ton épaule. Ça peut être rigolo. On réessaye l'idée de la roue qui te colle. Tu veux, tu t'en as une autre? T'étais là l'autre jour, mais bon, la pièce elle a déjà eu lieu. Mais est-ce que c'est grave? C'est peut-être grave. Ah oh, non, mais moi j'aime bien la pièce. Hein. Tu te souviens ça? Ouais. Et bam! Au sol. C'est-à-dire que ça s'arrête quoi. Ok, on peut. Donc c'est super bas comme ça. Et tu peux le gérer au niveau du rythme ça? Ouais. Ah bon, on essaye. Ça peut être sympa ça. 1, 2, 3. Thank you.
Et là, c'est. Et pour moi, le top du top, ce serait que la pièce, elle arrive sur celui-là. Et donc, t'as l'appel, t'as deux appels avant. Ouais, il y a celui-là. Là, on y va, pièce. Ok, c'est ça. On essaye ça, ouais. Que ton répète comme ça de faire sans la roue ou t'es obligé? Oui, mais je peux tourner dans la roue si jamais. Ouais, parce que t'arrives pas à t'épuiser parce que ça peut être épuisant, non? Ah, mais quand je serai mort, c'est bon. Donc, on s'arrête quand t'es mort. Bah voilà. Allez, c'est parti. Donc, ok. Prends-en une. C'est bien dans le sens des. Hein, comme ça, mais pareil. Il hein. Faut mettre 15 cm. Hein. Là, t'es trop écarté, Jean-Marie. Regarde un peu vers moi. Ouais, mais ouais, oui, mais c'est ce qu'il dit. 1, 2, 3. Ah, bah, c'est fait dans l'oscillation, c'est impressionnant. Waouh. Mars, soit pas là. Top. Combien là ? 2 minutes 03, quoi. Donc c'est un cycle. Au bout d'un cycle, celle-là elle arrive ici et l'autre. L'autre elle est. Ouais, je suis au point extérieur. C'est joli hein. Il y a vraiment des reflets super intéressants. Et ce qui est incroyable, c'est la surface de l'eau, quoi. T'as pas une vague. Tu mets de la. Sable. Ouais, les mailles de fer au fond. Et puis comme ça, t'as le reflet de la bouteille vide. Je mets un coup de projecteur dessus, voir si c'est vraiment pas beau. Celle, voilà, ouais. Elle est qu'à moitié noire. Même pas, non, regarde. Ouais, t'as raison. C'est intéressant. Je vais filmer pour montrer à Nana. Prends pas celle-là, là. Prends pas celle-là. Prends... 1, 2, 3. Ah, ça pèse, hein. Pire que. On va trouver un système, mais. Ah, la troisième merde. Quoi, ça prend, hein. Ah non, jamais. Non, jamais. Jamais. Parce qu'on voit bien que la 2, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 8, elle est en avance. Et on a aussi un problème avec la 10.
chinois, ça change pas, devant les bolasses percues, et ensuite faire le plancher fou. C'est-à-dire de faire le plancher qui bouge, on verra ce qui va sortir des impros de cela, mais je pense pour l'instant à ce qu'on avait fait sur le quotidien au théâtre, qui était vraiment bien, mais qui n'était pas là, Max. Et c'était une chose qui était vraiment très parlante, où chacun avait des gestes du quotidien, le plancher bouge, on a vraiment des résultats complètement dingues, mais on fait semblant qu'il ne se passe rien. Je trouvais deux choses à ça vachement beaux. D'une part, je trouve que ça ressemble au changement climatique et tout ça, pour le monde, comme on va. Et puis, dans ce, c'est très personnel, hein, mais la lecture que j'en fais, c'est sur l'histoire, parce qu'on raconte le Tempus Fugit, quand même, l'histoire de cette compagnie, quelque part, enfin, des éléments qui nous touchent. Après Les Ombres errantes, qui est pour moi un moment qui parle du deuil, on a le Machinois qui va... je dis c'est pour moi, hein, c'est pas pour qu'on le fasse, mais pour moi c'est comme une cérémonie. Le plancher fou derrière, c'est l'état dans lequel on peut être peut-être après ces moments-là. Ça, c'est serait ma lecture. Moi. Et je trouve qu'il y a une espèce de logique qui fait qu'après, si on fait les boîtes labyrinthes, le Machinois rapide et collectif, les pièges et la boule de Mick dedans pour arriver à refaire le cercle avec la Russie, pour ma lecture, qui n'est pas obligée d'être la vôtre, mais vraiment, mais c'est très logique dans la pensée que j'ai de cette compagnie et de comment je le vis, et Dieu aussi, ce n'est pas toujours facile, de passer des ombres errantes pour aller retrouver le cercle et repartir grâce à vous dans le cercle du cirque. C'est mon histoire, que je la vis très intensivement en ce moment, cette histoire-là. Et je trouve de faire ça, ça correspond à ça, et c'est peut-être un peu l'histoire de la compagnie. Ce qui est bien, c'est que j'adore le faire. Je m'en lasse pas.